Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette émission. Nous avons essayé par Zoom d'avoir notre ami Mubimba Ashimba, mais malheureusement, les essais n'ont pas été concluants. C'est un essai. Bon, le français, c'est une langue difficile. Maître Magala, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Monsieur Kibambi. Monsieur l'abbé Pundu, José, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Jean-Pierre. L'émission que nous avons faite il y a un certain nombre de temps, puisque les problèmes nous sont arrivés entre-temps, était très, très appréciée. On a apprécié notre sincérité. Nous parlions vraiment... pas avec nos cœurs, mais avec nos têtes, et je voudrais que celle-ci le soit aussi, donc appréciée par nos téléspectateurs. L'Afrique refuse-t-elle de se développer? On a vraiment l'impression, même quand j'ai suivi les interviews de M. Bourgi, Albert Bourgi, j'ai l'impression que si l'Afrique ne veut pas se développer, ce n'est pas toujours nécessairement de notre faute, parce que d'autres ne veulent pas que nous nous développions et nous obéissons à leur dictat, ce qui est complètement malheureux. Maître Magala, je vous posais la question de savoir pourquoi l'Afrique, pourquoi le Congo, au lieu de parler de ce qui est loin de nous, pourquoi ne pas parler du Congo tout simplement? Pourquoi le Congo et le Congolais refuse de se développer? Vous me disiez, mais Kibambi, parlons de notre pays, quel est le secteur qui marche? La réponse, c'est aucun secteur, qui marche très bien, tout au moins. Merci beaucoup d'ailleurs pour le rappel, et je crois que ça se vérifie sur le terrain. En fait, je crois qu'une des raisons principales, c'est que généralement, on improvise. On improvise ou on réagit face aux réalités qui nous tombent dessus. Alors que tel ne devait pas être le cas. En fait, le développement suppose qu'on a une vision. Et en fonction de cette vision-là, on définit les objectifs. Et en fonction des objectifs, parce qu'il faut accepter de faire les sacrifices nécessaires pour atteindre les objectifs. Il faut accepter nécessairement. Et ça, ça doit appeler un comportement. Pour être basique, je prendrai l'exemple d'un élève ou d'un jeune garçon ou une jeune fille. Il dit, bon, je veux être médecin. C'est ça ma vision de la vie. C'est-à-dire que je dois apprendre soit par biochimie, en tout cas le secteur scientifique qui concerne la médecine. Je ne vais pas vouloir être médecin et faire la menuiserie. J'entre dans le secteur qui cadre avec mes ambitions. Donc, et pour parvenir à ces ambitions-là, je développe un comportement. C'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles je dois renoncer. Alors, sur le plan de l'État et sur le plan de l'autoprise en charge, c'est la même chose. Nous devons avoir une vision. Où est-ce Claire. Que nous voulons aller? Nous voulons devenir qui, comme disait l'autre fois M. l'abbé, qui voulons-nous devenir? Et en fonction de ça, on s'assigne des objectifs. Et les objectifs engendrent un comportement. On veut être abbé dans sa vie, il y a des endroits où on ne doit pas être vu. C'est logique, parce que on ne peut pas être abbé, berger de troupes qu'on veut amener quelque part, et être vu... Aujourd'hui, c'était dans un bas. Concert de demain, dans... non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, en fonction de cette vision, il faut accepter certains sacrifices. Sur le plan national, c'est la même chose. Parce qu'on dit, je veux être dirigeant du Congo, premier ministre. Là, quand je suis encore candidat, je développe une vision. C'est une vision que je donne. Mais dès que je suis aux affaires, on ne parle plus de vision. Ces visions-là, on les transpose dans un programme du gouvernement.
parce qu'on devient gouvernant, on n'est plus dans la vision. On écrit son programme en fonction de cette vision. Mmh. Et nous nous engageons sur cette voie-là pour atteindre des objectifs fixes. Et le développement ne vient que par des efforts. On ne peut pas se vautrer dans l'inaction et se dire « ça va aller parce que nous avons du potentiel ». Mais le potentiel... n'attend que vos efforts. Non, le potentiel, les ressources, ce n'est rien quand on ne les exploite pas. Et exploiter ne signifie pas vendre du brut, creuser et envoyer. Non. Il faut se mettre à transformer. C'est de la chaîne de valeur que découle la jouissance matérielle de l'argent. Mmh. Aujourd'hui, même si on découvre une pierre de diamant d'autant de carats, on va la vendre à $1 million. Mais celui qui l'a acheté, il va vendre à 1 milliard. Parce qu'il y a mis de la valeur ajoutée. Et c'est ça qui nous manque. Nous en sommes encore à la production du cuivre des années 60. On produit, on emballe, c'est parti. Même, vous voyez comment on exporte le bois. Ça ne peut pas marcher. Nous sommes d'abord... Nous sommes au niveau primaire. Oui, au niveau, je dirais même en deçà de primaire. Parce que quand nous exportons comme ça, sans valeur ajoutée, ce n'est même pas nous qui fixons les prix. C'est-à-dire que ce sont les autres, ceux qui veulent acheter, qui fixent les prix. Et quand on veut nous faire un petit chantage, comme aujourd'hui les États-Unis nous ont dit que ce sont les enfants qui travaillent dans nos mines de cobalt, c'est fini, le cobalt va chuter, et puis bon, ils vont en prendre à ce prix-là qu'ils ont fixé, et c'est parti. Oui, là, vous vous en prenez aux dirigeants qui doivent avoir une vision claire. Mais encore faut-il que vous soyez bien entouré pour que cette vision puisse être traduite dans les faits. Enfin, je reviendrai à vous pour continuer. Monsieur l'abbé. Ben, cette vision doit être non seulement la vision des dirigeants ou d'un dirigeant, mais une vision partagée, c'est-à-dire une vision collective, hein, qui doit être prise en compte par toute la population, n'est-ce pas ? Ça, ce n'est pas une affaire d'un dirigeant providentiel, illuminé, ou ayant une vision, divine ou quoi. Non, c'est une personne humaine qui pense là où nous voulons aller, mmh, et qui partage avec les autres cette vision, n'est-ce pas ? Et fait en sorte que ces autres-là, donc le peuple, mmh, hein, adhère à cela, entre là-dedans, s'investit là-dedans. Oui. Et c'est en ce moment-là que Justin a dit tout à l'heure, les objectifs, mmh, deviennent des objectifs collectifs, des objectifs qui sont les nôtres. Auxquels tout le monde devrait adhérer, parce que son bonheur en dépend. Mais dans tout cela, j'ai entendu mon frère parler de la valeur ajoutée, de ce que nous avons, des ressources, des potentialités que nous avons, et tout cela, et que ça ne pourrait profiter pour le développement que si c'est travaillé et si on peut exporter avec une valeur ajoutée, n'est-ce pas ? En ce moment-là, nous fixons les prix et tout et tout. Mais je crois que au-delà de cet aspect économique, économico-financier, n'est-ce pas ? Il y a l'homme. Et ça, c'est ce qu'on oublie souvent. C'est l'homme qui développe. C'est l'homme qui se développe. Avant de développer, l'homme doit d'abord se développer. L'homme doit d'abord se développer. C'est-à-dire cette vision, lorsqu'on mm-hmm. parle de vision, fixer des objectifs, tracer élaborer des stratégies. Mais qui fait cela ? C'est l'homme. Mm-hmm. Et pour que cet homme soit à même de le faire, il doit être lui-même formé, développé mentalement,
intellectuellement et même spirituellement, humainement, pour dire les choses encore beaucoup plus simples. Tant que l'homme congolais n'a pas pris conscience du fait qu'il est l'acteur et le bénéficiaire de ce qu'on appelle développement. Il est l'acteur et le bénéficiaire. Aujourd'hui, si nous avons un problème, c'est parce que le concept même et la réalité même du développement est pensé ailleurs. C'est pensé ailleurs. Nous consommons un développement qui nous est, entre guillemets, imposé par les autres, n'est-ce pas? Et nous croyons que nous ne sommes pas développés si nous ne sommes pas comme eux, si nous n'atteignons pas leur niveau, n'est-ce pas? Et alors, on nous appelle des pays sous-développés, n'est-ce pas? Et eux, ils se disent des pays développés. Mais qui a décidé que nos pays sont sous-développés et leurs pays sont développés? En fonction de quoi? De quel critère? Et le critère, généralement, c'est le critère économique. C'est le critère économique, matériel. Et pas le critère, je dirais, anthropologique, n'est-ce pas? Le critère culturel. Non, ce n'est pas ce critère-là. Oui, mais c'est comme ça que, à l'émission précédente, j'avais commencé à dire, si nous parlons du développement, nous devons savoir de quoi nous parlons. S'agit-il tout simplement d'un développement économique? Nous avons du cuivre, nous avons du cobalt, nous avons du bois, nous avons de l'eau, n'est-ce pas? Parce que c'est aussi... La terre. Nous avons la terre, bien sûr. Eh bien, on dit, bon, le développement, c'est lorsque nous allons commencer à exploiter tout cela, à transformer tout cela pour que ça nous serve, ça serve à notre bien-être matériel, à notre confort et tout cela. C'est bien, c'est un aspect. C'est un aspect. Mais pour que cet aspect soit, il faut que la tête de l'homme congolais fonctionne convenablement. Il faut que le cœur de l'homme congolais fonctionne correctement. Oui, mais prenons exemple aujourd'hui. Bon, il y a une vision. Est-ce que l'Afrique aurait dû, comment je veux dire, imiter opposition, tout ça, démocratie, ou bien l'Afrique devrait se créer? Parce que si nous allons là-bas, c'est ce que vous disiez, nous trichons. Nous avons connu la traite, la colonisation. C'est le même schéma que nous suivons. Est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin à emprunter pour éviter la dictée, Monsieur Magala? Si, il y en a beaucoup. C'est d'ailleurs... ça rejoint l'idée qu'on avait partagée la fois passée. C'est le concept. Qu'est-ce que nous pensons que nous sommes? Voilà. Qu'est-ce que nous pensons? Vous savez, l'échiquier, M. Labbé l'a dit avec raison, aujourd'hui, on peut vous dire que la Belgique, c'est un pays développé et la Chine, c'est un pays en voie de développement. On vous dit que la Belgique est développée, mais la Turquie, c'est un pays... Mais quand vous comparez la réalité, c'est à mourir de rire. C'est ça, c'est-à-dire qu'eux ont fixé les critères par rapport à eux. Mais est-ce que cela doit nous engager? Vous savez, ça fait souvent rire. Quand vous êtes dans des grandes messes internationales, on dit, maintenant on appelle les pays pauvres et très endettés. Il y a le Congo dedans et tu vois les représentants du Congo en train de sourire. Vous êtes un pays pauvre et très endetté. Ça n'a aucun sens. Nous sommes un pays pauvre et très endetté par rapport à quoi? Quelle est notre vision de l'État qui nous... Et M. Labbé a raison. Moi, je crois qu'il y a... Il y a des secteurs de la vie qui mériteraient d'être élevés. Je ferai un gouvernement, moi. En tout cas, le ministre de l'enseignement supérieur serait vice. Non, mais le ministre de l'enseignement seulement. Ça serait un vice-premier ministre. Le ministre de l'agriculture serait un vice-premier ministre. Commençons par ces secteurs-là. C'est-à-dire, si nous avons des gens bien formés et nous y mettons les moyens,
qui comprennent, pas seulement sur le plan scolaire, mais aussi sur le plan spirituel. Il ne faut pas laisser n'importe qui parler spiritualité avec le peuple. N'importe quel aventurier, il dort aujourd'hui, il fait un rêve, demain il devient pasteur, il commence à raconter des histoires. Et nous le suivons. Oui, c'est pas normal. Au-delà de ça, rassasions le peuple d'abord. Autosuffisance alimentaire, et puis on va réfléchir calmement. Pourquoi ? Sur ce qu'on fera des mines, sur ce qu'on fera de... Parce qu'on a atteint le premier niveau. On ne réfléchit pas sous pression du ventre. Parce qu'aujourd'hui, on est prêt à brader n'importe quel secteur pourvu que le peuple mange. Or, des fois, c'est une grande bêtise. Comment pouvez-vous vous imaginer qu'il est plus facile à Kinshasa de se procurer l'orange qui vient d'Afrique du Sud que l'orange qui vient du Congo central? Il y a une route, mais des certes agricoles à l'intérieur, on préfère aller acheter l'orange en Chine, en Afrique du Sud, alors qu'on a l'orange ici. Pourquoi? Parce qu'on se dit il faut importer, il faut exporter, et on se perd dans cette discussion-là. Moi, je voudrais qu'on revienne. Donc, on sacrifie d'abord pour le ventre. Ensuite... On réfléchit. On réfléchit calmement. Mais pour réfléchir, donc, deuxième étape, c'est ce que disait Monsieur l'abbé, la culture, enfin, je ne sais pas comment nous allons dire, c'est-à-dire que la tête... Que la tête fonctionne. Et que nous, on définisse comment nous allons nous développer. Les étapes. On ne se développe pas par rapport à. Mm-hmm. Nous développons par rapport à nous-mêmes. Mm-hmm. C'est nous qui savons que là, ça marche. Bon, je prends un exemple bête. Un enfant n'est pas rassasié par rapport à son frère. Mm-hmm. C'est quand il a pris la quantité qui lui suffit. Mm-hmm. Et il dit, bon, moi, je suis plein. Donc, nous pouvons, en atteignant certains objectifs primaires, scolarité impeccable, autosuffisance alimentaire. Maintenant, réfléchissons. On dit, bon, nous, notre diamant, on va le tailler ici. Celui qui veut l'acheter, il va l'acheter ici. Ils vont venir, le Botswana l'a fait. Si tu veux du diamant botswanais, tu vas au Botswana. Vous vous rappelez que ici nous avions les CCIZ, mm-hmm. les Centres de Commerce International pour les Haïts. On en a fait un hôtel. C'est-à-dire que il n'y a pas de vision. Comment... C'est pas possible. Nous pouvons imaginer que tout ce que nous avons, qu'on expédie à l'état brut, c'est-à-dire la réflexion, est venue après. Je prends même un autre exemple. Vous savez, le commerce extérieur auquel on a cours, il est accompagné des statistiques. Oui. Il faut des statistiques. On dit, bon, ok, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin par an de 10 tonnes de thé. Ok. Nous en produisons combien? Nous produisons 7 tonnes. Donc, il faut en importer 3. Ok. Ce sont les 3 tonnes-là pour lesquelles on va faciliter l'importation. Mais pas qu'on va ouvrir l'importation du thé en désordre. Qui va nous amener à fermer nos usines locales? Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a un problème de statistiques. Quand on dit, bon, moi, le ministre de l'économie, j'ai dit, voilà, il y a un problème de thé au pays. Ok. À quel niveau? Nous produisons combien et nous avons besoin de combien? C'est les gaps qui peuvent faire l'objet des facilitations. Mais si on ouvre en vrac, eh bien, ceux qui viennent avec les dumping vont vendre à moins et tuer ceux reste. Qui produisent au pays. Et on va tuer l'industrie locale et on va encore reculer de certains pas. Parce qu'aujourd'hui, vous imaginez qu'on importe l'huile de palme de Malaisie, alors qu'on a été premier producteur d'huile de palme. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on a négligé l'agriculture, tout le monde s'est rué vers les mines et ça a donné les résultats que ça donne. Et dans le même sens, vous verrez qu'on importe la tomate de Libye, un désert. Et nous-mêmes, on est assis sur la tomate, mais on ne sait pas la faire venir, elle pourrit en route. Donc c'est sur ces questions-là qu'on doit réfléchir, mais en étant rassasié. D'accord. Parce que... On dit... La ventre affamé, point d'oreille. Monsieur Mais je crois qu'il y a là un sérieux, très sérieux problème. C'est un peu la question qu'on peut se poser. Hein? L'œuf et la poule. Qu'est-ce qui vient avant? Et qu'est-ce qui est important? Hein? Et donc, on peut se poser ce genre de questions...
lorsque on dit, bon, on va d'abord être rassasié et on pourra alors réfléchir. On réfléchit pour trouver comment se rassasier. Vous voyez ? D'où, quand mon frère a parlé des ministères, par exemple, dans un gouvernement qui devrait occuper la place de primature ou vice-primature, eh bien, il a évoqué en tout premier lieu le ministère de l'enseignement. Moi, je ne parlerai pas du ministère de l'enseignement, je reviendrai à un vocable beaucoup plus englobant, le ministère de l'éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale, qui devrait englober non seulement l'aspect enseignement, instruction, mais aussi l'aspect formation aux valeurs, n'est-ce pas, l'éducation... Il ne serait pas trop gros, oui, en embrassant tout ça? Oui, mais c'est important. Mm-hmm. Nous avons connu cela quand même. Mm-hmm. Nous avons eu à l'époque un ministère de l'Éducation nationale, n'est-ce pas, et qui englobait les différents aspects, les différents secteurs, mm-hmm. n'est-ce pas, de l'enseignement, primaire, secondaire, universitaire, technique. Mm-hmm. C'était l'éducation nationale. Mm-hmm. Et l'éducation qui ne se limite pas seulement à l'instruction, mais l'éducation qui englobe aussi la formation aux valeurs, n'est-ce pas? D'où, je dirais, l'autre secteur qui devrait occuper une place importante dans notre pays, c'est le ministère de la culture. Mm-hmm. Ministère de la culture, n'est-ce pas? On a réduit, je me rappelle, à l'époque où il y avait 1 plus 4, eh bien, feu Arthur Zahid Ngoma, qui était vice-président chargé justement de l'aspect social et culturel, eh bien, il me disait toujours, c'est l'enfant pauvre de notre gouvernement. Donc, on ne s'occupe pas tellement de cet aspect-là. C'est un peu relégué, n'est-ce pas? Et j'ai côtoyé des ministres de culture, hommes et femmes, qui se sont succédés à ce ministère. J'ai eu des frères qui ont travaillé dans ce ministère de la culture. Mais on sent très bien que ce n'est pas le ministère le plus, le plus important. Important, n'est-ce pas? C'est pas le ministère le plus... Alors que nous avons un sérieux problème culturel, mental, n'est-ce pas? La culture, le développement, avant tout, doit être une culture. La culture du développement. Nous ne l'avons pas. Et monsieur l'abbé, je vais ajouter quelque chose. Je ne sais pas si vous... Moi, chaque vacances, quand j'étais petit, j'allais au village. Et c'était surprenant, nos grands-pères, quand ils nous racontaient comment ils ont vécu, comment ils ont grandi. Et on écoutait religieusement parce que s'ils n'avaient pas fait ça, ils seraient morts. Je ne sais pas si vous avez été comme moi. Vous connaissez votre village ? Mais oui, c'est ça même la transmission de la culture. Voilà. On dit qu'un peuple qui ne sait pas d'où il vient, il ne saura nécessairement pas où il va. On se développe par rapport à soi. Vous connaissez votre culture. Je suis souvent émerveillé de voir qu'un petit pays comme l'Éthiopie a sa langue et son écriture. La Chine a sa langue et son écriture. L'Inde a sa langue et son écriture. Nous, on nous a même interdit de parler nos langues à l'école. Oui. C'est un problème sérieux. Donc, à un moment, on se perd. Qui sommes-nous? Voilà. Ça doit partir de là. Parce que quand on dit, bon, vous êtes Congolais d'ici, ok, vous avez un problème de protéines. Chez nous, ça se résout par les chenilles, par exemple. Mais plus de la moitié des Congolais ne consomment pas la chenille. Chez moi, c'est un on problème. Ne consommait pas. Maintenant, on commence à consommer, je crois. Oui, c'est-à-dire que... Moi-même, j'en consomme. Il faut transmettre la culture, c'est ça qui fait l'homme, c'est-à-dire... Le savoir, ce savoir-là. Oui, parce que dans la culture... La culture, il y a des valeurs. Quand vous savez ce que vous êtes, vous dites, bon, je ne peux pas faire ça parce que je suis tel. Et tel qu'on m'a appris, moi, de tel, je ne peux pas faire ça. Ça doit être ce qu'on appelle l'éthos. Ça doit être à l'intérieur de toi. Et ça doit t'habiter
de génération en génération, tu sais ce que tu es et où on va. Par rapport à ça, on doit avoir, je ne veux pas revenir au terme vision, mais on doit se comporter en conséquence. Et cette conséquence-là, ça sera qu'on atteigne les objectifs qu'on s'est fixés par rapport à nous-mêmes. D'abord, parce que nous voulons connaître. Les gens ne connaissent pas le pays. Ici, déjà, le pays lui-même, je prends un exemple. Quand on faisait des réflexions au niveau du ministère de la décentralisation, à un moment, on s'est dit, Kinshasa commence à devenir trop grand pour le gouverneur. Pourquoi ne pas revenir à l'ancien système de sous-région. Non, comment des districts, les quatre, et mettre, comme c'est la ville de Kinshasa, mettre à la tête de ces quatre districts-là des maires qui dépendront du gouverneur, mais en fixant, il y a des assignations aux maires pour que les services publics soient présents dans chaque district. Comme ça, on aura des hôpitaux dans les quatre districts, on aura les sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, si y a un incendie, on attend les sapeurs-pompiers de la Gombe alors qu'on est à Massina. Ça ne marchera jamais. Donc, il faut que de ce côté-là, il y ait un centre d'intérêt. Donc, on a quatre maires qui dépendent de certains gouverneurs, mais ça facilite le suivi du quotidien. Donc, ça ne nous coûte rien. C'est juste une loi à prendre et mettre des dispositions sur place pour que ces gens-là facilitent la gouvernabilité de la ville. Sinon, on va se perdre. Et en rentrant au niveau de la culture maintenant, on ne peut pas se dire toujours t'aller la bisou le Kamboy. Vous verrez le Congolais bien assis dans sa voiture, il prend une canette, il finit, il jette. Oui, mais si nous jetons tous, 10 jours après, les caniveaux sont bouchés. Et là, on oublie qu'on a jeté, on dit t'aller la bisou le Kamboy. Tu prends la même personne, tu la mets à Paris, elle sait qu'elle doit prendre sa canette et la cacher jusque dans la poubelle. Qu'est-ce qui se passe? Culture. Oui, monsieur l'abbé. Ben, c'est justement le problème tout à l'heure, puisqu'on parlait de l'échelle, n'est-ce pas? On a parlé du ministère de l'Éducation, hein, qui devrait être un ministère de oui. Important, important, même au-dessus de tout. Hein. Aujourd'hui, le ministère le plus important, du moins qu'on considère le finances. Plus important, le ministère des Finances, le ministère de budget, ministère de l'Économie, ministère de commerce extérieur et tout ça, hein, c'est à ces ministères-là qu'on donne de l'importance. Parce que nous sommes conditionné par un système capitaliste, libéral et je dirais même ultra-libéral, et chez nous je qualifierais ça de sauvage, hein, parce que on voit ce que ça donne comme résultat, n'est-ce pas? Eh bien, si on pouvait se dire dans un pays comme le nôtre, eh bien le premier ministère serait le ministère de l'Éducation nationale, le deuxième ministère serait le ministère de la culture, hein, et le troisième ministère, c'est de l'agriculture. Mais d'où la Chine s'est développée comme ça, le Japon. L'agriculture, n'est-ce pas? Parce que culture et agriculture, eh bien, vont ensemble en quelque sorte. Parce que l'agriculture, ça repose sur l'humus, la terre, n'est-ce pas? Il y a l'homme et puis il y a la terre, n'est-ce pas? Pour que l'homme travaille la terre, il faut qu'il soit formé. Il faut que sa tête fonctionne convenablement. Il faut qu'il ait un savoir, n'est-ce pas? Et on parlait de développement. J'ai suivi le raisonnement de mon frère. C'est que nous devrions plus parler d'un développement endogène. Voilà. Nous sommes dans un développement exogène qui vient d'ailleurs, n'est-ce pas? On devrait avoir un développement endogène. Mais, vous savez, il a parlé de langue. Ailleurs, on a leur langue, ils ont leur langue, ils ont leur écriture, hein, et tout. Mais nous autres, rien que cette émission que nous sommes en train de faire, nous la faisons en français. Donc, dans une culture d'emprunt. Le français, c'est une langue, n'est-ce pas? Et toute langue est le véhicule d'une culture. Tout à fait. Et là, je vous donne raison parce que je précise. Parce que les mamans, à l'époque, quand ils nous disaient, mais
Émission est aussi la leur nini parce que batata baza di bosokuna baza ko baza ko langa biloko toza ko yokate biso toza ko zela théâtre. Donc il y avait une barrière entre nous qui parlions français et ces dames qui ne comprenaient pas pourquoi les papas étaient devant les télés et les empêchaient de suivre ce que elles auraient bien voulu suivre. Si nous étions en Lingala, sans doute que Mais écoutez, j'ai eu des problèmes. Je reviens de l'Europe avec ma licence en psychologie. On me donne un cours de psychologie pastorale au grand séminaire, n'est-ce pas? Et je prends la décision de donner ce cours en Lingala. Mais j'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes parce qu'on m'a dit, non, ces jeunes doivent d'abord maîtriser le français. Mais quand ils vont en pastoral, dans le milieu où ils vont travailler avec le peuple de Dieu, quelle est la langue de la pastorale ici? Quelle est la langue du vécu ordinaire des gens? Mais c'est le Lingala, n'est-ce pas? Et s'ils ne maîtrisent pas le Lingala, vous leur dites de maîtriser d'abord le français. C'est pareil. Tout à fait. Par rapport à ce que j'ai dit la fois passée, maîtriser d'abord la pensée des autres. C'est aussi cela, c'est dans la même ligne. Maîtriser d'abord la pensée des autres. Nous ne sommes pas formés à produire notre pensée, n'est-ce pas? Nous sommes formés à reproduire la pensée des autres que nous devons maîtriser. C'est ce que Mao a dit à Mien, Ola. Ola, exactement. Il faudrait, à un moment donné, faire ce que moi j'appelle une rupture. Et on ne peut pas se développer sans cette rupture. Une rupture qui est quasi épistémologique. Une rupture qui n'est pas un mur qu'on va dresser pour nous séparer des autres. Non, la rupture est d'abord une réalité mentale. Une réalité mentale, nous disons, eh bien, nous redevenons nous-mêmes. Oui, mais est-ce que vous avez suivi, ça s'est passé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, l'entretien entre un Chinois et un Africain, où le Chinois lui dit, ah bon, votre nom c'est comment? Donc même pour le nom, le prénom, vous devez l'importer, parce que chez vous il n'y a pas de... Mais c'est la vérité, quoi. C'est la vérité. On va faire une thèse sur Malraux. Voilà. Non mais franchement. C'est ça le problème de départ. Parce que, comme disait M. Labbé là tantôt, pourquoi ça? On dit, même vous venez de le dire, Bazolanda émission en français. On nous avait conditionné déjà, dès l'époque coloniale, que ceux qui parlaient français, c'était des évolués. Voilà. Et donc vos autres, nos ennemis, quoi, les ennemis des autres. Des évolués, oui. Les autres, restaient à la cuisine. C'est un problème très sérieux. Et tel que les gens ont commencé à confondre parler français et intelligence. Voilà. Ce qui n'a rien à voir, rien à voir. On connaît des hommes sages, intelligents, mais qui parlent leur langue africaine, qui parlent leur langue d'origine, et on peut le faire. C'est pas qu'on ferme la barrière aux cultures autres, mais... Priorité quand même. Priorité, c'est nous. Nous devons avoir, et pas seulement sur le plan économique, c'est une conséquence. Sur le plan de l'homme lui-même, c'est-à-dire... qu'ils comprennent qui il est. Vous pouvez avoir essayé avec vos enfants. Demandez-leur de remonter la généalogie jusqu'à la troisième génération. Ils vont se perdre. Ils diront, bon, moi, je suis le fils de Kibambi, et puis votre grand-père s'appelait comment? Et votre arrière-grand-père, ah, ça ne sait pas. Voilà. Oh, c'est ça qui doit être le chaînon d'évolution. Vous dites... Même ceux que nous voulons copier, là, les Occidentaux, ils vous diront, tel Pasqua, par exemple, il est d'une famille noble parce qu'il est, quand on remonte, son grand-père, son arrière-grand-père, son ancêtre tel était... Alors, dans leur famille, ils sont socialistes. Donc, il y a une logique. Nous, on doit se dire, ok... Par exemple, on dit au Congo central, ils sont matriarcats. Pourquoi ils sont matriarcats? Bon, il faut demander à.
En remontant, on va comprendre pourquoi l'oncle a telle valeur dans les, chez les Bakongo. Ok, pourquoi ça doit poser problème quand on est chez les Baluba? Parce que eux, c'est parti à cas. Voici. Mais on ne connaît rien de tout ça. Nous vivons en vrac. Et nous nous disons intellectuels. Oui. Moi, j'interdisais à mes enfants de parler Lingala, Swahili et tout ça. C'est complètement... même, j'étais chef au petit séminaire. Quand quelqu'un parlait le Swahili, je tapais dessus. C'est grave. On nous a fait comprendre. Donc, nos enfants, là, ils ne comprennent rien à la langue. Et ils se moquent à la limite de ceux qui parlent Lingala. Alors, quand on ajoute à ça... Je ne veux même pas aller loin. Prenons juste le pays. Quand on recule jusqu'en 90, le gouvernement, les ministres, les parlementaires, ils roulaient en voiture Mercedes-Benz. Voiture basse. Aujourd'hui, toutes les autorités sont en Jeep 4x4. Quand on observe, c'est comme si on avait renoncé à arranger les routes. Eh oui. En fait, quand on renonce à arranger les routes, on s'achète une 4x4. Comme ça, on peut passer partout. Et puis, le peuple qui ne sait pas avoir le 4x4, il est à moto. Ça pose problème. C'est-à-dire que les conséquences de nos actes sont en train de nous rattraper. Quand il est une autorité dans une 4x4, il se dit, on a évolué. Non, mais en fait, on a reculé. On a reculé. Vous savez, j'étais à l'époque, on était au Maroc. Ah, on arrive au Maroc, dit, ah, bah, Jeep est à terre. Hein? Non, ah, au Karabakh, voiture. Cherche, à l'époque, chercher une Jeep au Maroc, c'était impossible. D'ailleurs, même en Europe, quand on voit une grosse voiture, vous allez parquer où? C'est ça. Donc, nous, tout ça, on n'y a pas pensé. Non, on a renoncé. On a renoncé à arranger les routes. Alors, on se paye de 4x4. Et vous voyez même les trains interurbains, il était électrique dans cette ville. Lubumbashi jusqu'au Kasaï là-bas, c'était des trains électriques. Vous voyez l'état dans lequel on les a mis. Aujourd'hui, nous avons quelques locomotives de seconde main roulant au gazole et nous sommes champions de la protection de la biodiversité. Vous voyez les conséquences. Donc, on fait une chose et son contraire en même temps. Ça pose problème. Revenons à l'essentiel. Définissons notre vision du pays, notre vision de l'homme congolais, qui doit arrêter de penser que pour faire une bonne thèse, il faut nécessairement être en Belgique. Tu peux faire une thèse ici, en Lingala. Elle doit pouvoir passer. Parce que tu la défends dans la langue du pays. Certes, la langue officielle, c'est le français. Mais je suis sûr qu'on y reviendra. Ça ne peut pas demeurer à toujours. À un moment, on doit revenir à l'essentiel, à être nous. À être nous, c'est-à-dire au-delà du folklore. Les tralala. Oui, Mobutu avait essayé, mais on a folklorisé et tout ça. On est retombé. Parce qu'à l'époque, il y avait quelque chose de bien. On pouvait se reconnaître en Europe. Hein. On dit. Parce qu'on avait la Bakos. Et puis, on a folklorisé ça, c'est devenu finalement... Oui, mais aujourd'hui, ce sont les sapeurs. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un... Bien habillé. C'est pas bien habillé, ça c'est être vêtu comme un clown. Parce qu'il a des grosses chaussures là, une cravate avec des étiquettes, des costumes. Toi qui viens d'Europe, tu as encore vu ça? Mais c'est tout plein, c'est-à-dire... Et puis cher pour rien. Essayez de voir. L'Europe, qu'est-ce qu'elle... Elle nous a contenus chez eux, là, dans des ghettos. Vous êtes en plein Paris, on dit, voilà, les secteurs de la gare du Nord, là, il y a trop de noirs. Mettez la bière à moins cher, ouvrez les buvettes à 11h, comme ça, on les mettez cantonne là-bas. Mettez des petites bouteilles. Non, mais les grandes bouteilles, à moins cher, et avec une action permanente. C'est-à-dire, quand vous demandez deux, on vous donne trois. Comme ça, on les contient là-bas. Ils ne viennent pas déranger les autres. Dès que vous vous quittez... Vous entrez dans les quartiers occidentaux, entre guillemets, ce sont les petites bouteilles, les restaurants, il n'y a pas de bruit.
Parce que nous, là où nous sommes, il y a du bruit du matin au soir, les gens sont en train de crier, tu ne sais pas pourquoi. On a confondu les développements et les déplacements. Donc, nous avons amené nos tares là-bas. Et Château Rouge. Oui, oui. Château Rouge, où vous retrouvez. Matongue. Vous savez qu'au Château Rouge, là, les repas coûtent plus cher que dans des restaurants UP. Et les temps d'attente. Donc, on a vraiment transmis nos déchéances là-bas. Et ce n'est pas normal. Nous devons revenir à l'essentiel. À la norme. L'homme, qui est-il? Parce qu'on dira, les sapeurs, ça va avec la musique. Oui, mais même la musique, on ne la fait pas bien. Quand vous voyez la musique de Rochereau à l'époque, ou de Alain Moloto à l'époque, ou de, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. Parce qu'on vous dit, les grands qui connaissent la musique, vous disent, mais pourquoi vous chantez la même chanson? Il n'y a pas d'effort de faire mieux. Même la musique, nous la faisons mal. Même la sape, on la fait mal. Donc, il y a nécessité de redéfinition de l'homme. Ce qu'on demande à quelqu'un, c'est d'être propre, hein, surtout nos femmes qui veulent être... Mais on demande à une femme d'être propre, à un homme d'être propre, pas nécessairement d'avoir des habits qui coûtent trop cher, alors que... Ni des cheveux qui viennent de l'Inde. Des cheveux qui sont complètement dépersonnalisés. Monsieur l'abbé. Ben, je crois que nous en arrivons à toucher vraiment l'essentiel. En dehors de la question « qui sommes-nous ?», il y a la question « d'où venons-nous » C'est-à-dire la connaissance de notre histoire. Si aujourd'hui le Congo refuse de se développer, hein, nous pouvons affirmer que le Congo refuse de se développer, c'est parce que les Congolais ignorent leur histoire. Vous voyez ? Et je l'ai souvent dit, notre histoire ne commence pas avec la traite négrière. La traite négrière, c'est l'histoire capitaliste qui a détruit l'homme congolais et qui a fait de l'homme congolais un instrument d'une forme de développement économique, financier, matériel, n'est-ce pas, qui n'a rien à voir avec l'homme bantou qui a existé et qui avait son développement, qui se développait à sa manière. La preuve, on est encore là. Oui, oui, à son rythme, n'est-ce pas? Avec sa langue, n'est-ce pas? Moi, je suis allé au village et j'ai parlé la langue maternelle. Pourquoi? Parce que, à la maison, mon papa et ma maman, mes parents, nous ont obligés, du moins nous les aînés, à parler la langue maternelle. Et ce qui fait que je connais la langue maternelle, je vais au village, je prêche en langue maternelle. Très bien. Je célèbre en langue maternelle. Alors, je vous donne mon exemple. Je vais à Lubumbashi. Oui. Je vais à Likasi. Je vais à Bukama. Oui. Je vais partout où je suis allé au Katanga. Eh bien, j'ai appris le swahili à l'université, à l'école des langues. Je me suis dit, au lieu d'apprendre les langues étrangères et tout, j'apprends le swahili. J'ai appris le swahili à l'université, très bien. Le swahili bora. Et j'ai célébré la messe en swahili, alors que je ne suis pas swahilophone. Hein. Tout à fait. Mais je me suis dit, comme Congolais, je dois maîtriser les langues de notre pays. Et on pourrait même aller plus loin dans ce que notre ami a évoqué tout à l'heure. Eh bien, moi, je dirais qu'il est temps qu'on décide de quitter... Hein, la langue française comme étant la langue officielle. On devrait arriver, comme ce qui se fait en Tanzanie, hein, et ailleurs, hein, en Zambie aussi, je crois, hein, en Tanzanie en tout cas, en Tanzanie. Au Parlement, à l'Assemblée nationale, on parle le swahili. La langue officielle, à l'université, on enseigne en swahili. On enseigne en swahili. Et on écrit des thèses, des mémoires et des travaux de fin d'études en swahili. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, si nous voulons vraiment montrer que nous voulons nous développer d'un développement endogène et être nous-mêmes, eh bien, qu'est-ce qui nous empêcherait de décider que nous sortons de la francophonie et nous entrons dans la lingalophonie ou la swahiliphonie ou le tchilubaphonie ou le kikongophonie, n'est-ce pas? Mais nous entrons dans nos langues
à nous, dans nos langues à nous. Monsieur l'abbé, qu'à l'école, eh bien, on impose, n'est-ce pas, l'étude de nos langues comme étant primordiale. Je vous donne l'exemple que, l'expérience que j'ai vécue moi-même quand j'étais au village, tout petit gamin. Les amis me disaient, mais toi, tu parles la langue comme les prêtres là. Nous, on ne veut pas jouer avec toi. Alors, je rentre chez mon grand-père et le grand-père me dit, mais ils ont raison. Viens que je t'apprenne à parler correctement la langue. Pourquoi tu dois parler comme les prêtres? Bon, déformé et tout ça. Donc mes amis m'ont rejeté parce que je venais de la ville et tout ça. Vous avez complètement raison. Dans la tête des gens qui ne comprennent pas cette langue, j'allais dire barbare, enfin c'est une langue de communication internationale, je suis heureux qu'on nous ait laissé celle-là parce qu'on aurait pu nous laisser le flamand. On aurait été encore plus malheureux que ça. Donc effectivement, il y a une réflexion à faire pour que, en courant vers le développement, nous y allions de manière logique et originale. N'est-ce pas? Et c'est faisable. Parce que les Swahili dont ils parlent là, c'est déjà une langue de travail de Comessa. Donc les documents, ils sortent notamment en Swahili. Alors qu'en français, on nous fait marcher. Parce que même les pays qui étaient francophones ont quitté. Ils sont devenus anglophones. Ou alors, donc, le Swahili, là, c'est devenu une langue de travail de Comessa. Et qui dit Comessa, dit Sadek, dit la sous-région. Alors, pour revenir à cet objectif noble qu'on doit se fixer par la connaissance de l'homme, d'un homme connaissant son peuple et connaissant son pays, il faut de la volonté d'abord. Aujourd'hui, nous empruntons des raccourcis. Ce sont des raccourcis, c'est-à-dire, à un moment, nous cherchons des ennemis partout. Non, nous-mêmes, quelle est notre part de responsabilité? Parce que même pour être attaqué, c'est vrai, on est en guerre et qu'on sort, mais quelle est notre part de responsabilité dans la défense du pays, par exemple? Quelle est notre part de responsabilité dans le travail à fournir? Parce que c'est bon de dire on est mal payé, on va en grève, mais vous travaillez pendant combien de temps? Parce qu'il vous dira il y avait embouteillage, il est arrivé à 11h et il doit partir rapidement à 14h pour éviter les embouteillages. Donc il aura fait 3h au travail et avec une pause. Mais il veut que les salaires soient les mêmes. Non, les salaires c'est le fruit de ton travail. Donc à un moment quand on se plaint du salaire, il y a aussi l'inverse qu'il faut trouver. Donc nous devons, et c'est nous-mêmes qui devons créer ce travail-là. Du reste, l'État, sans le dédouaner, il a le rôle d'encadreur. Mais l'État n'a jamais développé un pays ou encore les grandes entreprises. Ce sont les petites et moyennes entreprises. Mmh. Cette culture-là, nous devons l'avoir, la culture d'entreprendre. Et ça existait déjà chez nous, dans nos... Le Royaume Congo est devenu Royaume Congo par l'agriculture, par la chasse. C'est comme ça qu'ils travaillaient. Donc, bien que dans le temps, le signe des richesses, c'était le nombre d'épouses, mais le nombre d'épouses correspondait au nombre des champs. Parce que les épouses étaient productives. Mais aujourd'hui, prenez une femme qui s'est dit développée au Congo. Elle n'a rien d'elle. Les cheveux viennent de l'Inde, les cils viennent de... Aujourd'hui, on met les même ongles. Les lentilles, on les met ongles. Les dents, les ongles, même les ongles des oiseaux. Oui, et tout, même la partie de bassin, on ajoute des. Oui. Donc, quand vous la voyez le matin et la personne qui sort le soir, ça n'a rien à voir. Mais ça, ce n'est pas une femme congolaise, même pas une femme africaine. Ça, c'est un modèle de déchéance. En fait, c'est vous niez votre personnalité. Tout à fait. Parce que vous prenez une personnalité d'emprunt. Vous voulez être ce que l'image du miroir vous renvoie, mais en sachant qu'avec un peu de savon, vous reviendrez. Par exemple, on va bientôt terminer. Vous savez, Gandhi avait démontré en son temps que le costume, ça affaiblit l'homme. Il affrontait l'hiver
dans le sari, là, pour dire, moi, je suis un être fort. Il y a l'hiver, j'y vais en sari, pas de manteau. Et ces exemples-là, on peut les multiplier. Il y a des gens qui ont voulu vraiment. Il y a des exemples qui sont légions et que nous pouvons. Le mot de la fin, monsieur l'abbé. Le mot de la fin, moi, je dirais, nous devons sortir du modèle de développement qui se limiterait à un modèle économique, je dirais capitaliste, libéral. Nous devons sortir de là. Si nous ne sortons pas de là, eh bien, nous allons continuer à reproduire un modèle qui n'est pas le nôtre et à nous aliéner, à nous aliéner. Dans notre propre pays, nous sommes aliénés, nous sommes étrangers. Dans notre propre terre, nous sommes étrangers. Étrangers. Merci, monsieur l'abbé. Vous savez, à l'époque, moi, je suis allé très jeune en France et puis je suis rentré pour les vacances. On me dit... tu as été en Belgique? Je dis non. Elle dit donc aucun des pototés. Vous vous rendez compte jusqu'à quel niveau on était? Voilà, on me signale qu'on a pratiquement fini. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que, sans reprendre ce que M. l'abbé disait, c'est que nous devons éviter un éternel recommencement. Gardons ce qui était bon et continuons en nous fixant nous-mêmes des objectifs que nous pouvons atteindre, et ça va demander les sacrifices qu'il faut, mais on y arrivera. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes tous interpellés. Bayakoutal, l'abissou, non, d'abord nous-mêmes, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait depuis 10 ans pour qu'il n'y ait pas ce problème qui survient? En fait, il ne survient pas. C'est un problème qu'on a créé depuis longtemps. Bayakota le layo. Mais yo, Obanda, Kindengeni. Vous avez commencé comment pour arriver à ce niveau-là? Donc, nous sommes tous interpellés et c'est avec ça que nous allons mettre un terme à cette émission en vous souhaitant de passer une bonne semaine parce qu'on ne se verra que dans 15 jours. Pour vous qui suivrez l'émission en rediffusion, eh bien, bonsoir et portez-vous bien.